Messieurs, dames, vous êtes venus spécialement pour le film Douleur Invisible. Voilà, alors vous connaissez un petit peu la fibromyalgie? Un peu. Voilà. Donc Camille, on sait qu'elle, elle connaît un peu plus. Elle a fait une interview exceptionnelle du réalisateur, voilà, hein, à Cannes, il y a 2 ans. Donc voilà, et en tout cas, merci d'être venu. Et on va faire découvrir cette pathologie au public ici présent. Bonjour à tous. On va commencer donc la projection. Donc merci d'être venu nombreux ce soir. Donc c'est la 28e édition. Donc en fait ça fait en édition de ça veut dire un film avec Marseille. Et on est un collectif donc marseillais et puis aussi parisien et d'autres villes de France, comme Avignon, etc. Et du coup on organise ici à Paris l'espace Michel depuis 2016. Donc ça fait la 28e édition aujourd'hui. Donc en fait l'idée c'est de projeter des films au départ qui étaient des films un peu underground, par ce système, le cinéma qui projette des films dans une page assez difficile d'accès. Et au fur et à mesure du temps, on a fait un mélange des deux, des courts-métrages qui sont faits hors circuit dans des films underground et après des films qui ont été dans le jeu de circuit, SNC, financement, région, etc. pour vraiment avoir un débat avec le public, avec les équipes, avec tout le monde. Nous sommes Betty Boubert à Lille, à Fibrosie. Je vous laisse découvrir ce film et on se retrouve juste après avec Gérard Chargé, son équipe, pour le débat. Bonne projection, à tout à l'heure. D'abord parce que je suis fibromyalgique. Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent ce qu'il fait. Est-ce qu'il y en a qui savaient ce que c'était la fibromyalgie avant de venir ici ce soir? Bon, il y a juste une personne qui m'avait interviewé à Cannes. Donc il y a juste Camille qui était au courant. Donc voilà, parce qu'il y a des fibromyalgiques qui étaient invités ce soir pour venir un petit peu. Mais le problème, vous voyez un peu ce qu'on fait dans le film, c'est pas du cinéma. Donc les comédiens... eux sont venus faire un stage dans une clinique de centre antidouleur où j'étais, parce que je suis moi-même fibromyalgique. Alors moi ça se voit un peu moins, je suis un peu particulier, moi ça fait 15 ans que j'ai ça et j'ai appris à vivre avec. Donc c'est vrai que monter des marches c'est difficile, je ne triche pas dans le film, porter un sou plein d'eau, je ne triche pas non plus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller au bout de moi-même pour voir pour le film. Et il y a des gens, même des fibromyalgiques, qui m'ont dit « vous exagérez ».
Et bien, je peux vous dire que non, Lionel est témoin, mais je n'ai pas exagéré, c'était vraiment ça. Et en même temps, quand je tournais un film, alors vous allez dire qu'il est un peu illuminé, mais je fais travailler mon deuxième cerveau. Et comme beaucoup de comédiens ou beaucoup de réalisateurs, moi j'ai vu des gens tourner avec des jambes cassées et enlever leurs plâtres, même sur les scènes de théâtre, le temps de la pièce. Et après, ils revenaient. Donc les films, la fibromyalgie, comparé à ces autres choses, c'est-à-dire qu'il faut lutter avec son cerveau pour pouvoir vaincre cette maladie. Et bon, cette maladie, c'est dit dans le film, c'est reconnu depuis 1992, mais ce n'est pas reconnu par la santé. Parce que comment voulez-vous me diagnostiquer là, en tant que malade fibromyalgique, puisque justement, ça ne se voit pas. En plus, je fais des films. Donc, je fais des films, et c'est ce qui me fait tenir. C'est quand je fais un film, même si je fais un personnage, eh bien, pendant ce temps, sauf là, puisque c'était quand même, tout le but, c'était vraiment d'être moi-même, mais je dirigeais quand même l'équipe à côté, et donc c'était difficile aussi. Donc j'avais la double casquette. Alors c'est pour ça qu'on arrive à se maîtriser quand on veut faire vraiment quelque chose qu'on a envie. Et donc beaucoup de médecins ont diagnostiqué cette maladie depuis longtemps en disant que c'était psychosomatique. Là, ça a été reconnu il y a très peu de temps que non. Il n'y a pas 2 millions de personnes en France qui sont atteintes. Il y a quand même des gens qui sont dépressifs, mais bien souvent, là, ça peut être psychosomatique, ou alors n'importe quelle maladie peut être psychosomatique si on les écoute, les médecins. Donc il ne faut pas écouter les médecins, il faut s'écouter aussi soi, parce que la plupart des gens, comme je disais là ce soir, n'ont pas fait l'effort de venir parce qu'ils n'avaient pas un intérêt, parce que le film, il n'est nulle part. Il y a une personne qui a fait 87... qui venait du 87 pour tourner, on tournait dans les Alpes, dans les Basses Alpes, et la personne est venue de Dijon jusqu'à en Provence pour faire le voyage, elle était fibromyalgique. Donc elle a réussi à se dépasser, à dire voilà, je vais pouvoir faire ça parce que j'en ai envie, et je vais mettre la douleur de côté, c'est-à-dire il faut s'occuper, et de toute façon c'est valable pour n'importe quelle maladie. Hein, donc, toutes les maladies, si on pense à autre chose, on est moins malade. Là, les douleurs, on pense à autre chose. Si toute la journée, vous voyez des choses négatives à la télévision, vous êtes qu'avec des gens négatifs, et bien automatiquement, ça va entretenir vos symptômes. Hein, et donc, n'importe quelle maladie, c'est comme ça. C'est-à-dire que le négatif prend le dessus. Et par contre, si vous avez la force d'esprit de dire, cette maladie, je vais la vaincre en faisant des choses, eh bien, automatiquement, vous allez avoir pendant quelques temps, c'est vrai que le soir, après, pendant 2 jours, je ne peux plus bouger, quand je fais un tournage. Là, il n'y avait qu'une journée de tournage, et pendant 2 jours, je ne pouvais plus bouger absolument pas. Je ne pouvais même plus monter les escaliers de chez moi. Donc c'était quand même, voilà, c'est une maladie qui est, ce sont des douleurs à l'action, c'est-à-dire n'importe quel mouvement que vous pouvez faire répétitif. Et en même temps, ça se double d'une fatigue chronique. Alors c'est pour ça, la fatigue chronique, il faut apprendre aussi à lutter contre. Mais des fois, vous ne pouvez pas lutter. Moi, des fois, je suis en train de travailler à l'ordinateur, et d'un coup, je m'endors. C'est parce que c'est vraiment la fatigue, parce que moi, j'exagère. Je fais partie des cas qui exagèrent, parce que je veux aller au bout, pour justement faire des expériences, parce que ce film-là, donc, est fait pour montrer, parce que tous les fibromyalgiques qui l'ont vu, qui ont participé par Ulule au financement du tournage, et bien toutes les personnes qui l'ont vu, dans n'importe quel pays où ils ont participé, aussi bien en Grèce qu'en Suisse, qu'en Belgique, qu'au Canada, tous les gens se sont reconnus dans cette maladie. C'est pour ça que le début, il est très lent. Et en plus, Lionel, on en a parlé au montage, même moi, je trouvais le début trop lent. Mais Lionel m'a dit non, c'est vraiment ce que tu vis. Et il me connaît depuis 15 ans, il m'a dit qu'il faut que le générique du début, il faut qu'il soit lent pour qu'on mette dans l'ambiance. Et tous les fibromyalgiques qui ont vu le film se disent ben voilà, c'est un film qui représente vraiment nos symptômes. Et en même temps, c'est très métaphorique, parce que vous avez vu, on exagère, on ne veut pas affronter de face et de faire quelque chose, un brûlot pour dire voilà, on ne nous écoute pas ici et là. À un moment donné, il faut aussi s'écouter soi pour faire. Pour véhiculer ce que vous pensez. Et ce film-là, ce qui est important, c'est qu'il a été vu donc le 12 mai, là, cette année, puisqu'il a été fait le 12 mai de l'année dernière. Il a été terminé donc en 2015. Et là, cette année, en 2016, pour la Journée mondiale, il a été diffusé avec des grands débats en Nouvelle-Calédonie. Il a été diffusé en Belgique. Il a été diffusé aussi en Suisse, à Neuchâtel.
Et là, on me demande de partout d'aller sur l'île, de faire une projection sur Cannes prochainement à la rentrée. Et donc, il y a plusieurs villes comme ça qui nous demandent d'organiser des séances débat avec des médecins, avec le grand public, parce que tout le monde peut avoir ça. Et donc, pour la reconnaître, cette maladie, donc, il y a quand même les neurologues qui sont spécialisés, il y a des médecins fibromyalgiques qui sont reconnus pour reconnaître cette maladie. Il y a 18 points dans le corps où là, on vous dit, vous ne faites pas du cinéma. Parce que je peux vous dire qu'avant de diagnostiquer cette maladie, il faut du temps. Et moi, je sais que ça a mis 2 ans, il y a 15 ans. Maintenant, ça met un petit peu moins de temps parce que les médecins commencent à connaître un petit peu plus. Mais ce n'est pas encore ça, parce que même dans certains centres antidouleurs, on vous dit, vous faites du cinéma, on ne vous croit pas. Donc voilà, c'est vraiment... Et quand la douleur vous prend, je peux vous dire, moi là, je suis tombé dernièrement au Festival de Cannes parce que j'avais trop marché. Je suis tombé en descendant d'un trottoir parce que justement, mes muscles ne me recevaient plus. Je suis tombé parce que j'ai exagéré, j'ai trop marché. Et j'ai pris un rendez-vous, mon médecin m'a dit, en urgence, il faut que vous alliez au centre antidouleur. Alors vous allez rigoler. On sait déjà que j'ai ça depuis 15 ans. J'ai été diagnostiqué, et est-ce que vous savez quand est-ce que j'ai rendez-vous? Le 27 avril 2017. Et c'est urgent. Parce que si je tombe dans la rue, ou si je tombe dans un escalier, on ne sait jamais si jamais je me tape la tête. Bon. Alors moi, je suis assez maintenant, je sais maintenant, je m'accroche, je fais attention. Mais voilà, à un moment donné, c'est des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Et vous vous rendez compte, c'est tout est comme ça. Et donc c'est vrai que là, en plus, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'Assemblée nationale qui est en train en ce moment... je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de faire une commission spéciale fibromyalgie. Parce qu'ils veulent justement que ce soit pris en charge. Parce qu'en même temps, ce n'est pas pris en charge et considéré de la même façon d'un département à l'autre en France. Et vous savez, ce n'est pas que la fibromyalgie qui est maltraitée hein, dans les maladies. En France, c'est toutes les maladies. Là, je suis en train de préparer un film sur une personne qui a été traversée, un jeune garçon, il avait 9 ans, qui a été traversé par la foudre, et c'est le seul qui est en vie traversé par la foudre. Je suis en train de préparer le film. C'est pareil, on lui interdit les soins. Robert Richard, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à la télévision, on en parle beaucoup, il y a des articles tous les mois dans les magazines. Donc voilà, la maladie, quand on est différent, eh bien c'est très difficile de se faire entendre. Donc on va se réunir de plus en plus au niveau national, et le film, je suis content, contribue aussi à ça, à faire connaître cette maladie, et en même temps, à écouter aussi les patients qui sont vraiment maintenant pris en charge et écoutés un peu mieux. Donc maintenant, il suffit juste de reconnaître que c'est une maladie invalidante, parce que c'est vraiment invalidant. Moi, j'avais un métier manuel, j'ai toujours fait du cinéma, mais à côté de ça, j'avais un travail manuel, j'étais mon propre artisan, je travaillais donc avec mes mains, et du jour au lendemain, il a fallu que j'arrête, parce que je ne pouvais plus rien tenir dans les mains. Donc je ne pouvais plus rien faire de ma profession. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme ça, sans rien faire. Heureusement que j'ai le cinéma qui m'a sauvé, mais je suis... Voilà, les autres personnes qui sont dans ce cas-là dépriment. Il y a des suicides, ça il faut le savoir. Il y a pas mal de choses, donc c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas en France, mais tout le monde devrait être informé. Et quand on a des douleurs, parfois, quand elles circulent, il faut peut-être se dire, j'ai peut-être autre chose qu'une maladie qui est spécifique à un lieu du corps. Voilà, je ne veux pas être plus long parce que c'est vrai que je suis bavard, et donc Lionel le sait, Virginie le sait aussi. Donc si vous avez des questions à poser, ben je serai à votre disposition, il n'y a pas de problème. Alors je ne sais pas si les questions se font maintenant ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions spécifiques à poser? Non? Est-ce que ça vous a interpellé ou pas? Oui? Est-ce que vous avez ressenti les mots de ces gens-là? Oui? Voilà. N'osez pas parce que ça vous a peut-être mis un sale coup, mais je suis optimiste. Il faut être... Moi je dis, j'ai lancé un mouvement parce que j'ai des milliers de personnes qui sont en contact, et là justement on va financer une suite, parce que Fibroville c'était un village que j'ai inventé, et on va faire une suite où justement j'ai un producteur qui va être sur les rangs, et où on va justement parler de tous les maux de la société, les maux MAUX. Parce que justement, toutes ces maladies sont causées aussi par le quotidien, par le social, par l'affect. Donc il y a plein de choses là, qui sont déclenchées. Et donc je vais élargir à tous les mots. Oui. Je pense qu'il faudrait inviter davantage de médecins à ce genre de métrage. Ce serait très important pour le sexe. Enfin, qu'ils soient aussi à l'écoute.
de ces films, parce que quand vous parlez de dire que c'est pas encore reconnu, je pense qu'il faudrait aussi en parler aussi, il faudrait aussi que ces messages soient aussi présents, parce que je pense que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous êtes en train d'exprimer, mais si on ne veut pas encore aujourd'hui le dévoiler, c'est-à-dire, je pense que lorsque vous dites que vous avez du mal à sourire du fait du cinéma ou quoi, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce principe, mais il faudrait inviter plus de médecins, je pense. Alors, être plus à l'écoute. Oui, alors, les médecins commencent à être au courant parce que le film est quand même fait circuler dans mon centre antidouleur. C'est qu'en France, on réagit toujours plus tard qu'ailleurs. Ça, c'est une coutume. Donc, c'est pour ça que la Nouvelle-Calédonie, bon, même si c'est un département français, a voulu le montrer. La Belgique, la Suisse aussi, tout de suite, parce que eux, ils ont fait des vrais débats dans des auditoriums avec des professeurs, avec des spécialistes, avec des malades, avec des infirmiers, avec toutes les personnes qui travaillent autour, justement, de ce qui est l'antidouleur. Et donc, ils ont organisé des débats. Mais en France, je suis en train de commencer à lancer la chose. Et donc, y a la mairie de Lille qui veut nous inviter en octobre. Vous voyez, il faut du temps, parce qu'ils ont été contactés en même temps que les autres pays, parce que sur Internet, il y a quand même des milliers de personnes qui suivent l'élaboration de ce film. Et les médecins commencent aussi à en entendre parler. Et ce qu'il y a justement à la commission qui est en place en ce moment à l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un de la commission qui posait une question à la personne qui était en audit, parce qu'il faut passer les présidents de certaines associations. Alors, pour être crédible, il faut aussi que toutes les associations se réunissent. Parce que la personne qui était là représentait la Fibromyalgie France, qui est à Paris, mais elle a 800 adhérents. Et sachant qu'il y a plein d'associations qui regroupent 1500, 2000, 3000, 5000 personnes. Donc il faudrait que déjà, pour que ce soit plus fort, que le mouvement il soit regroupé, comme le cancer, comme n'importe quelle autre maladie, que tout soit regroupé, que les gens se regroupent autour de la même maladie, et pas récupérer à soi, dire c'est mon association qui fait avancer les choses. Et une autre chose que je voulais dire, et donc vous voyez, ça fait des fois partie. Alors des fois c'est un avantage parce que ça me fait travailler, je sais que Lionel, il est étonné des fois quand je travaille sur 4 ou 5 films ou scénarios en même temps. Et là vous voyez, j'avais quelque chose d'important à dire, je l'ai oublié. Et ça va peut-être revenir dans le fil de la discussion ou dans la soirée. Mais c'est vrai que la commission justement posait, c'était par rapport à la commission qui posait justement cette question-là, de savoir comment les médecins réagissaient. Et voilà, c'était au niveau de la formation qui a posé justement la question à la personne qui était auditionnée, si les médecins justement étaient assez formés. La personne n'a pas eu l'opportunité de répondre tout de suite, de dire que les médecins n'étaient pas assez formés. Parce que quand vous dites à un médecin généraliste, je souffre aussi, j'ai la douleur, aujourd'hui je souffre la jambe droite. Hier c'était le côté gauche, le bras gauche. Avant-hier c'était la tête, le lendemain ce sera autre chose. Donc les médecins vous disent, mais qu'est-ce que c'est cette maladie? Moi je peux vous dire que ça s'est déclenché, vous savez comment? Après l'opération de la thyroïde, donc après il y a plein de mystères qu'on ne sait pas, en utilisant des épingles à linge, je me suis rendu compte. Parce que c'est pas dans mon métier tout de suite. Au début, c'était les épingles à linge. Je n'arrivais plus, après l'opération, à tenir des épingles à linge. Je n'arrivais plus à appuyer sur la pédale d'accélérateur parce que ça me faisait des douleurs. Et c'est pour ça que je dis dans le film que c'est dangereux. Parce que selon ce que l'on a, des fois, on a des réactions qui, d'un coup, vont faire des réflexes. Parce que tous les muscles sont à terre. Donc, c'est difficile parce que même vous ne pouvez pas prévoir. Alors, comment voulez-vous un médecin qui prévoit ça? Donc, c'est pour ça qu'il y a une formation aussi qui est importante. Et moi, la personne qui avait découvert ça il y a 15 ans, c'était quelqu'un qui avait fait des études très poussées aux États-Unis. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les médecins vont être contactés parce que c'est le but. À Lille, à Cannes, à Marseille, on a des projections de prévues aussi à partir de la rentrée là, de 2016. Hein, donc, les médecins, ne vous inquiétez pas, vont avoir de plus en plus cela. J'ai commencé à distribuer le film dans certains établissements hospitaliers. Et donc, c'est très important. Donc, c'est petit à petit. C'est-à-dire que le film commence à faire réagir aussi les fibromyalgiques qui, eux, deviennent positifs. Il y en a de plus en plus.
C'est-à-dire qu'il faut positiver. C'est une maladie où il faut positiver comme toutes les maladies. Donc ça veut dire qu'on n'est pas fini. On va quand même pouvoir faire autre chose. Moi, d'un métier manuel, j'en ai fait un métier intellectuel. Parce que je me suis dit, bah, c'est une chance pour moi. Donc vous voyez, quand je suis tombé malade, je n'ai pas dit mon laboratoire, je le laisse tomber, je ne travaille plus. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir faire du cinéma toute l'année. Donc j'ai rebondi de cette façon-là. Et c'est quelque chose de très positif. Et je le regarde. Et le nain le voit, je fais de plus en plus de films. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Parce que... Je vais te donner quelque chose à présenter.